Notre délégation a eu l'honneur et le privilège d'être reçue ce soir par le président de la transition du Burkina Faso. Au cours de cette audience, il a été question de la situation au Niger. Cette situation est calme, cette situation est sous contrôle. Nous avons aussi parlé du soutien. Il faut le dire, nous avons reçu un très fort soutien du Burkina Faso, puisque, comme vous le savez, un certain nombre de pays de la CEDEAO ont décidé d'appliquer des mesures sévères de sanctions contre le Niger. Mais en plus de ces sanctions, il est question d'une intervention militaire. Et au cours de nos échanges, nous avons parlé précisément de cette situation parce que nous ne souhaiterions pas que le Niger devienne une nouvelle Libye. Et nous allons conjuguer nos efforts pour que cette situation n'arrive pas. En coordination avec nos frères du Burkina Faso, nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'activités pour pouvoir faire face à la situation, pour sécuriser nos populations et pour sécuriser nos deux pays.